Quoi de neuf tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve sur Ark Survivor Evolve pour une nouvelle vidéo sur le jeu. Et aujourd'hui on est parti pour continuer l'aventure. Attendez, par contre c'est quoi ça? Parce que là en vrai j'ai découvert cette base il y a 2 minutes, mais je sais pas ce que c'est. Ils ont une énorme balista pour tirer des lances, enfin pour tirer des grosses flèches, etc. C'est vraiment trop stylé, avec un mécanisme et tout. J'aimerais bien intégrer dans leur tribu, mais je sais pas comment on peut faire. On va aller là-haut, est-ce qu'on peut rentrer chez eux? Ah non, ils sont fermés. Oh, un nouveau dinosaure, je l'ai jamais vu celui-là. Je le connais pas, il fait peur. Ça va? Comment tu vas? Il est bizarre. Franchement, il me fait vraiment peur. Oh, va-t'en! Il y a un œuf là. C'est l'œuf de Moss Shop, donc le dinosaure qui est là. Je le prends, on sait jamais. J'espère qu'il m'a pas vu le prendre. Là, il y a un feu de camp. Est-ce qu'on pourrait pas récupérer ce qu'il y a à l'intérieur? Non, on peut pas, on peut juste l'éteindre. Oh, il y a des dinosaures là, attendez. Il y a un spinosaure, un raptor et un triceratops. Il a des lunettes? C'est trop bien! J'aimerais bien avoir un raptor ou un spinosaure ou quoi. Mais le problème, c'est que pour les avoir, il faut être très fort. Et moi, je suis pas bon. Attendez, là, il y a une base. Est-ce qu'on pourrait pas rentrer à l'intérieur? On dirait vraiment qu'ils étaient en train de projeter un film au cinéma. Regardez, ils ont mis l'écran blanc et tout, mais je sais pas à quoi ça sert. On va récupérer un peu de trucs. Destruction! Survie! Nature! J'aime bien taper les arbres. On va créer un arc. Trop bien, on peut créer un arc. On va aussi se créer des vêtements, ça pourrait être utile. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite avec une pioche. C'est bien ça. Par contre, du coup, on doit aussi casser de la pierre, ce qui nous permet de récolter du silex. Avec le silex, on peut créer des flèches et des lances, ce qui est bien. Pour moi, c'est le dinosaure qui a le plus la classe de tous les autres dinosaures. Maintenant, j'ai un arc. M'a fait peur. C'est énorme parce que dans ce jeu, tout le monde a apprivoisé des spinosaures et du coup, moi, j'ai trop l'impression qu'ils vont m'attaquer. Mais vu que là, ils sont en neutre, ça va. Sauf lui là-bas. Lui, je crois qu'il est pas en neutre. Et le problème, c'est que il y a un spinosaure et là, il y a un rayon blanc. Et j'aimerais vraiment aller au rayon blanc. Pour ceux qui savent pas à quoi ça sert le rayon blanc, en gros, ça permet de gagner. C'est un dépôt de ravitaillement qui permet de gagner pas mal d'objets au départ. Ce qui est plutôt cool. Mais le problème, du coup, c'est que je peux pas y aller parce que sinon, je me fais attaquer par le spinosaure. Regardez, en plus, il l'attend. Il sait très bien que je vais venir. Ils sont deux en plus. Et il se bat avec un triceratops. Mais il y a que des spinosaures! Ouh, il y a des spinosaures partout. Là, j'ai vraiment un risque de malade de mourir. À tout moment. Bon, je pense que je vais faire une bêtise, mais... Oh, j'ai fait une bêtise, J'ai touché. Je sais pas comment j'ai fait, c'est trop cool, mais j'ai touché. Ok, il m'a pas vu. Ok, il se bat avec un raptor. Il a même pas senti ma flèche. Il y a un nouveau dinosaure, là. On dirait... C'est pas un pteranodon, c'est autre chose. C'est quoi, ce truc, là? Avec une énorme collerette. C'est stylé. Je sais pas ce que c'est comme dinosaure. C'est quoi? Wow, wow, tu te calmes. Wow, wow, wow. Je te veux pas de mal, je veux juste te regarder. Oh. Ouh, un autre nouveau dinosaure. C'est quoi ça? Oh, ça a l'air stylé, regardez, il a des griffes. On dirait Wolverine. C'est quoi ça? On dirait un oiseau, mais qui peut pas voler. Un oiseau victimisé. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans le sol? Ah, comment il va? Quoi? Ah! Mais va-t'en! Je t'ai rien fait! Stupide! Dinosaure! Mais pourquoi il me griffe? Va-t'en! Le Tyrannosaur. Toi! Toi, je te jure, je vais te retrouver et je vais te tuer. Oh! Comment ça va, la tortue? Attends, je vais monter sur toi. Mais reste là, arrête de bouger. Ah, parfait, ok. Amène-moi au bout du monde. J'ai oublié qu'une tortue, ça allait pas très vite. Ok, j'ai créé une hache. J'adore le mouvement qu'il fait quand il prend sa hache, regardez. Hop. Trop stylé. Pourquoi tu me regardes mal, la tortue? Arrête de mal me regarder. Elle me regarde vraiment mal, elle me met la pression. Arrête d'essayer de me faire reculer. Bim. Destruction. Deux. Tortue. Enfin, c'est un carbonimisme, mais vous m'avez compris. Ah, stupide tortue. Viens de battre. Par contre, là, je... Non, mais non, non. Ah, reste tout seul, reste tout seul. Ah, deux tortues. Une tortue, je peux la tuer. Deux tortues, faut pas trop m'en demander. Il y a un gars là-bas, attendez. Je fuis l'attaque des tortues et je vais suivre le gars qui est là. Non, d'abord, je vais décider de devenir son ami et après, on essaiera de le tuer. Je vais créer une torche parce que là, il fait vraiment trop, trop sombre. Oh, il y a de la lumière là-bas. Trop bien, attendez. J'ai envie d'aller voir si on peut pas essayer d'être ami avec des gens. Je vais aller le voir. J'espère qu'il est là et qu'il est très gentil. Et qui s'appelle Stevie. Ça se trouve, il s'appelle Stéphane et c'est un énorme hipster de art. Eh oh! Y'a quelqu'un? Ouh! T'es joli, toi. Y'a des cages juste là, je sais pas pourquoi. J'espère qu'il va pas essayer de m'emprisonner. Y'a quelqu'un? Hey! Il a répondu oui. Comment tu vas? Tu sais que tu peux sortir, hein, je suis pas moche. Il a peur de moi. Mais je vais pas t'attaquer, tu peux sortir. Si Gengar te dit, tu peux pas. Je vais pas t'attaquer, tu peux sortir, ça veut souvent dire qu'il va t'attaquer. Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas le genre de personne qui attaque. Moi, je suis ton ami. Je veux rentrer dans ta tribu. Et qu'on fasse plein de choses ensemble. Des choses énormes. Yeah! On va rentrer dans sa tribu et après, on le tuera. Et on va piller ce qu'il y a à l'intérieur de chez lui. Comment ça va? T'as l'air très posé là-haut. Allez, vas-y, fais-moi rentrer. Le forceur.
Qu'est-ce que tu veux, toi? À l'aide! Aide-moi! Aide-moi! Oui, voilà, aide-moi! Oh, trop con. Ok, je vais essayer de le tuer, moi aussi. Destruction! Tortue! On protège le château! Viens de battre! Ah, t'as peur, maintenant qu'on est deux, la tortue, hein. Retourne dans l'océan d'où tu viens. Maintenant qu'on a défendu ta maison ensemble, est-ce qu'on peut pas être amis? Ah, tu vois, t'es là. Si tu veux... Je peux te donner des baies. Si tu veux des baies narcotiques, tiens, j'en ai un peu. Ça, c'est l'ami qu'on aimerait tous avoir dans Ark. La personne qui est gentille avec nous et qui essaie d'être ami avec nous. Oh, c'est pas beaucoup, mais... En plus, t'as vu comment tu manges. C'est normal que ce soit pas beaucoup. Tu manges ultra rapidement, arrête. Tu vas te constiper. Arrête. Ah ah. Non. Arrête. Dis-lui d'arrêter. C'était une blague. Dis-lui d'arrêter. Non. Va-t'en. Dis-lui d'arrêter. Ah, merci beaucoup. Il est très sympa ton dinosaure, mais il est un peu agressif. T'as pas trop envie d'être mon pote? Bah, c'est pas grave. Bonne journée et bon jeu. Au revoir. J'aime bien ce gars-là. Il a pas de micro, mais au moins il est honnête et il est gentil avec nous. Bref, donc maintenant je pense qu'on va repartir un peu et on va essayer de capturer des dinosaures. On peut créer la selle du parasaur. Ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que maintenant, si on apprivoise un parasaur, on pourra essayer de le monter dessus. Wouh! Non! C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Va-t'en! Stupide dino, mais pff, quoi? Je suis à l'intérieur de lui. Je suis dans son estomac. Il est vide. Ah, je comprends pourquoi il a faim. Mais dégagez! Oh, oh, oh. Il y a un requin, il y a des spinosaures. Pourquoi j'attaquais en pleine baston? Il y a tout le monde ici, c'est dommage. Je risque de mourir très facilement. Va-t'en! 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 Ah, ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux. Je me barre, ils sont pas gentils. Faudrait que pour les semer, il faudrait que je monte en haut d'un rocher. Là! Non, je peux pas monter là-dessus, c'est trop haut. Comme ça. Yes! Je suis en haut de mon rocher, vous pouvez plus rien faire. J'ai envie d'avoir mon propre dinosaure pour me balader plus rapidement et pour me défendre pendant mes combats. Y'a un dilophosaure juste là. Ok, on va le tuer. Reviens là, toi. 362 scopes. Viens de battre. Pourquoi t'as peur? Pourquoi maintenant que j'ai une arme, t'as peur, hein? T'as plus la confiance du tout, hein? Quand t'es pas avec tes potes, ta petite bande, bah t'as peur de moi. On est en train de lui trouver le cul. Ok, c'est bon. On va juste prendre du coup sa peau parce que j'en ai besoin pour créer un truc que j'ai appris il y a 5 minutes. J'ai appris le... Bolas, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais en gros apparemment c'est pour capturer les dinosaures. Je me crée un lance-pierre, ça serait pas mal pour pouvoir l'apprivoiser pour l'assommer. Oh yes, un rayon blanc, parfait. Du coup quand il va interdire, je vais pouvoir récolter énormément de choses. Ok, c'est bon, donc on est parti, j'ai un lance-pierre, et on est parti pour essayer d'attaquer un dinosaure et de le domestiquer. Lui il est pas mal, il est sympa, il est joli, en plus il est niveau 36, donc c'est pas un mauvais niveau. Du coup on va essayer de le capturer. Toi, viens! J'ai quand même oublié le principe d'un lance-pierre, c'est d'avoir de la pierre à l'intérieur. Je suis le pire chasseur de toute la planète. On va récolter un peu de pierre du coup. Ok, parfait. Maintenant j'ai de la pierre, donc normalement je devrais pouvoir essayer d'attaquer le dinosaure. Il est où? Là! Ok, il est parfait. Donc on va essayer de le capturer. Je sais pas si ça va être une réussite. C'est ma première capture. 5-4-1, go! Yeah! Dans le popotin. Allez, 2. Reviens! Reviens! Stupide dinosaure! Tu reviens maintenant. Je vais te balancer des pierres jusqu'à la fin de ta vie. Merde! Désolé! C'est pas vous que je visais, monsieur! Non, désolé! Reviens! Mais toi aussi, mais... Dégagez tous, putain! Vous êtes en train de me laisser... Vous êtes tous là pour essayer de m'énerver. Ok, cool, il est coincé dans l'arbre. C'est-à-dire que je vais pouvoir capturer... 1, 2... Dans la tête aussi, dans ta petite tête de macaque, là. Bim! J'ai mal le regard qu'il a en mode... Pourquoi tu me fais ça? Parce que j'ai envie de te capturer. Tu vas être mon seul dinosaure, mon unique dinosaure, et tout le monde va t'aimer. Alors reviens ici. Dans la queue. Bim! Mais oui, tu vas être bien avec moi, je te nourrirai, je te donnerai des bêtes, tout ce que tu veux. Même une PS4. Reviens! Mais non! Va pas dans l'océan, stupide dinosaure! Non! Tu vas te noyer! Qu'est-ce qu'il fait? Attends, il faudrait que je m'éloigne. Pour lui mettre un peu la confiance. Vas-y, je m'éloigne un peu. Et je vais récupérer quelques pierres. Qu'est-ce qu'il fait? Fais un truc mieux que ça! Bon, laisse tomber, toi t'es vraiment attardé. Le rayon blanc, du coup, il vient de... d'apparaître. Du coup, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on est parti. J'espère qu'il y aura un truc bien, genre un dinosaure. Ça serait bien. Y a quoi là-dedans? Oh, cool, de l'équipement, j'en avais pas. Parfait. Du coup, on va pouvoir mettre tout mon équipement. Maintenant, je suis équipé pour capturer les dinosaures. Il a l'air bien plus cool que le premier dinosaure, lui. Bim! Bim! En plus, regardez, il fuit même pas. Allez, viens là. Enfin, si, là, il fuit. Viens là! Reviens! Attends, on va... Oup! Il s'est passé quoi? Il y a eu un oula oup, là. Reviens ici. Ah, j'arrive pas à le viser, il est trop rapide. C'est le meilleur dinosaure de toute la région. Il court beaucoup, beaucoup plus vite que tout le monde. J'en ai marre, tous les dinosaures essaient de s'enfuir. Moi, ça m'énerve parce que du coup, j'arrive pas à les capturer. Tu te réfugies derrière le Triceratops pour pas que j'essaie de te tuer. Mais tu verras, je vais te tuer ou te capturer, enfin, c'est la même chose. J'aurais à lui lancer des pierres. Attends, est-ce que si du coup, je lui mets le bolas, ça fait quoi?
Oh, trop stylé! Ça tourne autour de moi. Et... ça va beaucoup trop vite. Oh, cool. Je crois qu'il est piégé. Oh, yes, regardez, il est piégé. Il peut plus avancer. Du coup, maintenant, c'est sûr que je vais pouvoir l'avoir. Yes! Victoire, je crois. Yes! Trop bien! Ok, maintenant, je pense qu'on va devoir lui donner des baies pour le capturer plus rapidement. C'est cool, ça. Yes! Donc, on a capturé notre premier dinosaure. Maintenant, on va devoir en tuer quelques-uns pour essayer de récolter... ce qu'il faut pour créer la selle, parce que la selle, elle nous demande du cuir, et le cuir, on l'a en tuant les dinosaures. Toi, là-bas, le triceratops, t'es mort. On détruit le tricé. Oh, oh, repars en arrière. Ok, il m'a pas vu, il est quand même en stupide. Avec sa colorée, ça n'arrive pas à me voir. Et Stacy me voit très bien. Viens de battre, stupide triceratops. Ok, je suis en train de le tourner en boule, là. Là, il sait plus quoi faire. C'est comme un chien qui se mord la queue. Enfin, la mienne. Donc, attendez, on va essayer de le tuer. Allez, c'est bon. Meurs. Yeah, il est mort comme ça. Ok. Donc on va pouvoir récupérer le cuir. Super, enfin la peau. On a ça à côté, ses cornes, c'est très bizarre. Donc là je pense qu'on devrait en avoir assez pour créer la selle. Je sais pas ce qu'il va nous falloir d'autre pour créer la selle. Et je m'améliore un peu mes points de vie. J'adore améliorer mes points de vie parce que du coup je deviens invincible dans le jeu. Donc on va pouvoir aller voir le dinosaure. Il est niveau 29, ce qui est énorme pour moi vu que je suis pas niveau 29 dans le jeu, je crois. Ah si, je suis niveau 50. Du coup attendez, ah il est là. Il est trop cool. Du coup on va pouvoir l'équiper avec la selle et on va pouvoir le monter. Yeah. Je suis le roi du monde. Et je suis coincé. Attendez, je vais me décoincer. Yes! J'ai mon propre dinosaure! Il est tellement beau. Tellement cool. Donc maintenant, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Ouais, vas-y, allez, rage les autres dinosaures. Moi, j'ai mon propre dinosaure. Et je peux faire ce que je veux avec. Ok, tout le monde. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur Ark Survivor Evolve. Et si vous en voulez d'autres, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu si vous voulez voir plus de vidéos sur Ark. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. A plus tout le monde, c'était Rayton. Et ciao!